Moi c'est Lucas, alias Chapeau Belge sur les réseaux sociaux. Et là je me suis lancé dans une petite aventure cette semaine parce que je suis supporter de l'OM et aussi passionné d'endurance, d'ultra-endurance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet fou justement ? Alors le projet c'était de partir du Stade Vélodrome pour relier Lyon et rallier Lyon en courant. Donc tous les jours j'ai fait environ 60 km pour venir et ce soir j'assiste au match l'Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Du coup, t'as réussi à avoir ce fameux ticket. C'était pas sûr au départ, donc t'as réussi à l'avoir. Ouais, finalement, j'ai laissé faire un peu la vie et il y a une journaliste qui a réussi à me permettre d'avoir la place. Donc j'ai pu avoir cette place pour assister au match ce soir, tant attendu, surtout après une semaine d'efforts comme ça. Là, j'ai très hâte d'assister au match. Et combien de temps tu as couru ? Comment ça s'est passé cette course, ce marathon jusqu'à Lyon ? Cette semaine, j'ai passé près de 60 heures en fait en déplacement. J'ai passé des moments difficiles dans les cailloux, j'avais mal aux pieds, les dénivelés parfois ça faisait du bien parce que les longues distances toutes plates, on devient fou dans ses pensées, on essaye un peu de sortir de son corps, mais la souffrance nous fait retourner rapidement dans notre réalité de la marche, de la course. Et là je suis très heureux d'être sur mon nuage parce que la récompense était là, le Groupama Stadium, j'ai pu l'avoir en vue, j'ai pris des photos et ça fait plaisir. Bon, maintenant, si le projet est fait, là, le défi est fait, maintenant, si on a un espoir pour ce soir, c'est lequel ? Ah, ben, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille, ça. En terre lyonnaise, c'est pas évident, ils sont très forts, mais j'ai confiance en eux, j'ai donné tout ce que j'avais, j'espère qu'ils mouilleront le maillot à la même hauteur ce soir.